Salut mec, j'espère que tu vas bien. Moi perso, ça va nickel. Hier, on perd notre grosse mise, mais c'est pas trop grave. On a du background derrière, donc ça, c'est pas un souci. En mode dilettante, canapé, tranquillement. Aujourd'hui, très peu de matchs, les frérots. J'ai balancé 3 matchs dans le VIP. Hier, dans le VIP public, on balance une bonne confiance sur la NBA et c'est passé plutôt crème. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant. Aujourd'hui, je vais balancer un seul match, les frérots. Avec une cote à 1,80, on va balancer tranquillement 5%, repart tranquille, histoire de finir ce mois chaotique. Faut se l'avouer, hein, faut pas appeler un chat un chat. Le VIP aussi a pas été fructueux de ouf. Ça change des mois où je cartonnais de malade. Voilà, il y a une mauvaise passe à passer, donc c'est pas trop grave. Il y a une gestion de mise qui a été faite, donc on perd pas beaucoup d'oseille et ça c'est le principal, ne pas perdre beaucoup, c'est les paris sportifs. Je vais jouer sur le match de Nice contre Rennes. Rennes, il y a un coup à jouer dessus, dans le sens où ils n'ont plus rien fait depuis le mois de janvier, éliminés en phase de poule Champions League qui a été très compliqué. On a bien vu aussi, ça a été un peu chaotique dans le club de Rennes. Éliminé aussi Coupe de France. Franchement, honnêtement, je ne sais pas comment il fait pour tenir son poste d'entraîneur encore à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est assez compliqué. Côté niçois, énormément de blessés. Ils perdent encore Rony Lopez. D'ailleurs, ce pronostic-là, je l'ai mis dans mon club VIP, les frérots. Il y a tellement très peu de matchs que j'ai voulu vous faire profiter de ce match-là, même si ce n'est pas un match extraordinaire à trouver. C'est un match plutôt avec un taux de pourcentage très faible de confiance. D'ailleurs, c'est une petite confiance dans mon VIP. Je me suis orienté sur Rennes parce qu'il n'a pas le choix de gagner ce match-là. Sincèrement, côté niçois, beaucoup d'absents. Je disais, René Lopez était l'un des joueurs les plus aguerris, hein, les plus percutants, on va dire. Dante blessé, bon, de longue durée, ça on le sait. Agüero, je crois, le petit jeune de Lyon qui est percutant avec des bons coups francs. Il joue beaucoup à l'avant, il est assez créatif. Mais bon, tout seul, ça va être compliqué. Il récupère Dolberg, mais il manquera forcément de rythme dans les jambes. Ça risque d'être vraiment compliqué, sachant que Rennes a un effectif qui est assez riche, hein, mais ils ne trouvent pas la bonne potion pour jouer ensemble, tout simplement. Et je pense que aujourd'hui, à domicile, c'est un bon match pour repartir sur de plus belles. Donc moi, je partirai sur Rennes en sec. C'est l'unique match que je vais jouer. Et je vais essayer de mettre une belle cote là-dessus, une belle mise. D'ailleurs, toutes les mises que je vais jouer, je les posterai directement dans Telegram. Donc, je viens sur Telegram. Hier, il y en a eu beaucoup. Hier, on perd d'ailleurs notre pari, hein, je le dis. Hein. Ça, on s'en cache pas, on s'en bat les steaks. C'est pas trop grave. Si je joue les sommes, c'est que je les ai. Donc, voilà, on joue toujours ce qu'on a. On ne joue pas ce qu'on n'a pas. Donc, c'est logique aussi. Je te laisse là-dessus, frérot. Je te fais une grosse bise. Je suis en pleine série Netflix. Et je fais une grosse bise à tous les pronostiqueurs aussi, ça a été compliqué, hein, on l'a bien vu. Et on se retrouve demain, il y aura plus de matchs, on va envoyer du lourd. On repart sur nos cotes, nos matchs en sec, simple. Et il y aura un pronostic dangereux et un save dorénavant. Save, grosse mise. Et fun, semi-fun, on va dire. Allez, on va se la jouer comme ça, avec un match un peu surprise. Avec une belle cote à 3 ou à 4, on va tirer dedans, pourquoi pas. Si tu kiffes le nouveau format, balance du pouce, frérot, pour le référencement, on va pas se le cacher. Balance au maximum. N'oubliez pas qu'il y a toujours la promo sur le Telegram avec le bookmaker Betwinner. Si tu t'inscris, si tu screenshot l'inscription plus le premier dépôt, je te rends dans le VIP pendant jusqu'à la fin de la saison. Voilà, tout simplement. Et on va envoyer du lourd, crois-moi. Les mecs savent de quoi. Quelle voix je me chauffe, papa bordel! Grosse bise à tous les frérots, c'est rapide, c'est efficace. Un bacio a tutti, grazie mille, n'oublie pas ça. Abonne-toi, clochette, etc. Bam bang, vamos, gringo.